T'as des béquilles là? Je t'ai pris un skateboard sur la cheville comme ça. Dis-moi avec des béquilles que apparemment Liroz a super mal depuis tout à l'heure. Dis-moi comme ça. Liroz, je viens pour te porter là. Non non, Liroz, reviens ici tout de suite. J'espère que t'as pas menti, Liroz. Oui, moi j'en ai marre. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah attends. Regarde. Non mais t'as des béquilles là? Oui. Non mais c'est quoi ces histoires encore? Bah je me suis fait une entorse très grave. Mais tu t'es fait une entorse, mais comment ça s'est passé? Bon allez, assieds-toi. En fait, j'étais en roulade. Assieds-toi parce que tu vas sinon. Et pose pas ton pied, hein, tu vas en voir encore plus mal. Alors donne-moi ces béquilles là. C'est quoi ça? Pourquoi t'as des béquilles maintenant? Bah j'étais en roller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez, raconte. Et bah en fait je me suis pris un skateboard sur la cheville. Tu t'es pris un skateboard sur la cheville? En fait il tombait comme ça de haut. Bon allez, donc là je sais pas ce qu'on va faire. Du coup tu veux faire quoi? Enfin on va expliquer ça comment? Et qui t'a donné les béquilles comme ça? Bah j'ai été à l'hôpital. T'as été à l'hôpital carrément? Bah oui. Et tu dois prendre ça pendant combien de temps? Pendant 6 mois. 6 mois avec des béquilles? Oui. Mais ils ont rien mis à l'hôpital sur ta cheville? Non, parce qu'en fait c'était trop aggravé. Ils avaient peur de me faire mal en mettant. Mais du coup tu vas te faire opérer quand? Bah du coup je vais me faire opérer demain. Et demain je vais devoir aller à l'hôpital pour voir s'il y a rien dans mon pied. Bon allez, bon les amis, surtout restez bien jusqu'à la fin, parce que on va aller à l'hôpital avec Lily Roche. On va tout filmer. Et surtout n'hésitez pas à mettre un like pour la soutenir. Hashtag hôpital et hashtag Becky. Ah. Non mais Lily Roche, lève-toi pas, arrête, ça va encore s'aggraver. Donc là attends. Donc là c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon, je pense qu'elle a plus trop mal du coup parce que non mais passe pas ton pied, Lily Roche. Okay, passe pas ton pied. Bah allez, moi je reste en là. Fait, faut y aller. Ouais, encore? Oui, oui, donc on va. Là, on va pas filmer à l'hôpital parce qu'on a pas le droit. Allez, attends, donc moi je pars et surtout si t'as un problème, tu m'appelles, d'accord? Oui. Allez, c'est parti. Bon, allez, Liroz, donc là, finalement, on va vous filmer quand on va à l'hôpital parce qu'on sait pas ce qui va se passer. On espère que les médecins vont rien dire. Donc, Liroz, allez, rentre. Rentre vite parce que apparemment Liroz a super mal depuis tout à l'heure. Donc, on pense que c'est encore plus grave que ce qu'elle a normalement. Donc, moi, je vais tout filmer. Là, notre père va arriver. Non mais t'es sûr que tu te sens bien, Lily Rose? Je me sens pas très bien. Tu te sens pas très bien? Non mais tu penses que t'as quoi au pied du coup? Tu vas devoir le garder encore plus longtemps ou quoi? Bah je sais pas, ils m'ont dit que si ça s'aggravait, je vais le garder 10 mois. 10 mois? Mais tu vas devoir mettre un plâtre et tout alors? Bah non, ils ont dit qu'il fallait pas mettre un plâtre parce que ça allait... En fait c'est un truc On expliquera plus tard. Donc là je pense que, bah je sais pas, tu vas pouvoir aller à l'école au moins ou pas? Bah oui, je vais pouvoir aller à l'école mais... Oui, bon c'est pas grave, on verra. Donc là notre père va arriver et on se retrouve à l'hôpital. On espère qu'on va pas trop avoir de problèmes et tout, donc suivez-nous bien jusqu'à la fin. Voilà, donc là on est devant l'hôpital. Alors Lily Rose a un peu peur parce qu'elle va devoir passer des radios. Non mais Lily Rose, regarde-moi. Donc là tu vas y aller, d'accord? Ouais. Tu vas être courageuse, donc allez, avance. On espère qu'on pourra filmer à l'intérieur, mais si on peut pas filmer à l'intérieur, on se retrouve dans la chambre, d'accord? Ouais. Attends, reste là, c'est là l'entrée, ça va ouvrir. Alors, donc là... Ils ont mis de spécial, donc parce qu'en fait ils avaient peur de trop toucher ma cheville, mais ils m'ont quand même mis un bandeau pour un petit peu protéger. Donc là on revient de l'hôpital, donc on n'a pas pu filmer, désolé, parce que c'était trop speed. En fait, c'est vraiment là. C'était trop speed. Et du coup là, voilà, ils lui ont mis une espèce de bandage en attendant demain. Je suis un peu blessée là. Parce que demain, en fait, étant donné qu'elle a une fracture, elle va devoir mettre un gros plâtre et tout. Donc je sais pas si on pourra vous le montrer. En tout cas, restez jusqu'à la fin parce que... Et je vais devoir le garder 10 mois. 10 mois, vous vous rendez compte? 10 mois comme ça. 10 mois, donc presque un an. Donc c'est demain matin. Donc on va tout filmer. Liroz, demain, elle va la réveiller. Ouais. On va vous montrer comment ça va se passer. Je vais dormir à bien. Mais apparemment, elle a trop mal. Elle arrive pas à enlever ses vêtements et tout pour dormir. Elle arrive pas à toucher... Non, attends, il a dit de pas toucher le sol. Non, il a dit de pas toucher le sol, Liroz. Ah, mais Liroz, tu t'es fait mal toute seule. Bon, arrête. Donc, mets bien ta jambe droite et tout. Donc, si vous avez déjà eu ça, dites-nous en commentaire pour lui donner des conseils et tout. Moi, j'ai déjà une entorse pas très grave que j'ai dû garder 2 mois, mais... Non, mais c'est n'importe quoi, là, Liroz. Vraiment, c'est de la faute de qui, ça? Bah, c'est de la faute de quelqu'un, en fait, qui avait jeté son skate. Oh, mais voilà. Donc, moi, je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas, là, on va vous filmer demain matin comment ça va se passer. On espère que c'est pas trop, trop grave, même si sur la radio, on voit l'os qui est cassé et tout. Fin... En fait, c'est cassé, en fait ils vont pas mettre le plâtre, ils vont mettre le plâtre demain parce que là c'était pas possible, j'avais une douleur trop forte. Donc voilà. Donc on se retrouve demain et surtout bah merci à tous ceux qui soutiendront les likes. Et objectif 2000 likes. Bon allez, à tout de suite les amis.
Donc là voilà, donc on est le matin, il est 11h et on a rendez-vous à 11h30. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon allez, Lily Rose. Ouais, elle a pas réussi à dormir, je l'ai entendu toute la nuit faire du bruit et tout. Non mais t'es sûre que ça va, Lily Rose? Non, je vais pas très bien. Alors non, pose pas tes pieds, on va te porter, d'accord? On va te porter jusqu'à la voiture. Donc là, moi, je vais finir de me préparer. Non, non, Lily Rose, assieds-toi. Assieds-toi, tu vas pas te déranger. Elle a dormi habillée, comme vous pouvez le voir, comme elle l'avait dit. Donc on sait pas quoi faire. Donc allez, reste là, on va... Non, reste là, on va te porter, d'accord? J'appelle notre père, on espère qu'il y aura pas trop de problèmes. Bon allez, les amis, à tout de suite, on se retrouve à l'hôpital. Lily Rose, c'est bon, je viens de pour... Mais Lily Rose, t'es où? Lily Rose, je viens pour te porter, là. Elle a laissé son téléphone. Punaise, elle est où? Non, mais elle est pas partie, quand même. Elle est pas partie toute seule. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais elle est partie où? En plus, elle est handicapée. Elle est pas partie toute seule dans la rue, quand même. Alors, les amis, si vous savez où elle est passée, ou si vous pensez savoir, dites-nous en commentaire, mais... Elle est pas en dessous du lit et tout. Ouais, là il faut la retrouver parce qu'on a rendez-vous à l'hôpital dans 20 minutes là. Pour mettre son plâtre. J'espère qu'elle a pas eu peur et qu'elle s'est pas enfuie du coup. Bon allez, à tout de suite. Moi je vais chercher ça. Oh punaise, alors j'espère qu'on va la trouver. J'espère qu'elle est pas partie trop loin de chez nous. Là déjà j'ai dû marcher 10 minutes. Lily Rose! Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, Lily Rose, reviens ici tout de suite. Reviens ici. Attends, Lily Rose, qu'est-ce que tu fais ici? Non, reviens ici, arrête de marcher. Tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire là depuis tout à l'heure? T'as pas envie d'y aller? J'ai peur. Mais il faut te soigner, c'est pas possible ça. J'ai peur. Mais t'as peur de quoi? J'ai peur que c'est un truc plus grave. Bah oui, c'est un truc grave, Lily Rose, t'as bien vu, dis-moi. Tu te rends compte? Et toi, oui. Tu voulais pas être soignée. Bon, allez, arrête-toi ici, on va te transporter jusqu'à la voiture. T'as dit que t'avais trop mal pour te lever et là on te voit courir avec tes béquilles. Tu nous aurais pas menti quand même. Non. T'aurais pas menti au médecin. Parce que là, attention, hein, sinon ça va pas aller, Lily Rose. S'ils te mettent un plâtre et qu'en vrai, tu dois pas mettre de plâtre. Bon, allez, donc là, les amis, on se retrouve à la maison. Et voilà, donc on va voir ce qui va se passer. J'espère qu'elle a pas menti. Hé, Lily Rose. Oui. On va à l'hôpital. Ah. Et toi, tu vas dans la voiture, d'accord? Bon, voilà, donc direction l'hôpital. Lily Rose a encore essayé de s'enfuir, voilà. Vous commencez à la connaître, donc elle a toujours ses béquilles. Bah voilà, on pense qu'elle va avoir un plâtre, sauf si elle a menti. Hein, voilà, j'espère que t'as pas menti, Lily Rose. Surtout pas au médecin. Parce que bon, la radio, ils ont dit qu'il y avait quelque chose qu'ils arrivaient pas à bien avoir. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé aujourd'hui. Donc là, on s'y dirige. On pourra pas filmer dans l'hôpital. Donc là, on se retrouve dans la chambre pour vous raconter tout ce qui s'est passé, voir le plâtre, etc. Donc allez, restez bien jusqu'à la fin, merci. Allez, c'est parti. Bah alors, Lily Rose. Voilà, ça t'a fait plaisir là, la blague là. De quoi j'avais l'air devant le docteur là, qui m'a dit devant la radio, il a regardé, mais Lily Rose elle a rien, son voilà. Pied. Voilà, en, en fait elle avait rien. Tu t'étais foulé la cheville, non? Elle a fait semblant de se fouler la cheville. Elle a fait semblant. Elle a pris des béquilles jouées là. J'en ai marre. Non, ces béquilles je les avais vraiment. Non mais tu les avais pas vraiment, voilà, t'as joué avec, c'est des jouets ça. Non. J'ai eu ma vraie entorse. Du coup, t'as menti à l'hôpital. Bah oui. Et pourquoi t'as fait ça? T'as fait tout un stratagème. Je voulais pas aller à l'école. Pour pas aller à l'école? Oui. Pour pas aller à l'école. Elle voulait pas aller à l'école à la rentrée. T'as pas assez de mois de vacances. Du coup, elle voulait. En plus, elle. Je pense que ce serait 12 mois de vacances. Non. Non, mais elle nous a fait croire que ça allait durer 10 mois et que du coup, t'aurais raté toute l'année scolaire. C'est non, ça, Lily Rose. J'ai dit que je pourrais aller à l'école. Et qu'est-ce que t'as, ouais, t'as... Et en non, plus, c'est n'importe quoi. Et en plus, le premier jour, elle a laissé le docteur lui mettre des pansements et tout. Elle a menti tout ouais, le long de l'opération. C'est après la radio qu'on a constaté qu'il n'y avait rien. Et imagine s'il voulait t'opérer et tout. Mais ouais, mais c'est pas de ma faute. Moi, je voulais pas y aller à l'école. Il y a la méchante copine et tout. Alors, encore moins au centre aéré parce que vous voulez mettre au centre aéré la dernière bon, semaine. Bon, allez, c'est n'importe quoi. Bon, allez, moi, j'en ai marre de cette histoire. À chaque fois, tu fais. Bon, est-ce que tu peux courir quand même? Bah oui, bah oui, elle peut courir, en fait elle a rien. Vas-y, marche pour voir, pour montrer aux abonnés que c'est vrai. Bah voilà, elle marche, elle court et tout. Quoi, bon, allez, moi j'en ai marre. Aïe. Allez, moi j'en ai marre, on va faire la bulle magique. On va allez, faire un basket, c'est parti les amis. Alors, donc on va dire les noms qui sont passés dans la bulle magique. Donc merci beaucoup à Inès, à Jasmine, à Clémence, à Stéphane, à Fraise 2.0, à Liola et à Lola. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye. Bye bye les amis.